Hello, hello tout le monde, bonjour à tous dans ma nouvelle vidéo Brokevol les amis, mise à jour à nouveau de cette semaine. Donc c'est parti, on a de nouveau tout simplement un véhicule qui s'adapte tout simplement à la taille de l'avatar. Ensuite on a des nouveaux chiens également donc, qu'on va voir ensemble, des nouveaux slots de sauvegarde. Et ici des nouveaux coloris et des nouveaux accessoires qu'on va avoir dans la boîte. Ceux qui savent, donc c'est parti les amis, on commence la vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Bien évidemment, activez la cloche de la chaîne. Donc c'est parti les amis, on va voir toutes les nouveautés qu'il y a de cette mise à jour. On commence par la boîte tout simplement. Le plus simple, c'est de voir ceci. Alors, ce qui est assez incroyable, ça va être les LED qui sont ici les amis. Regardez, je les pose. J'en pose, admettons, carrément 4. Dans la rue, et on a une nouvelle option qui est toute nouvelle que Brokevol a réalisé. Regardez comment c'est incroyable, moi j'aime beaucoup. Regardez, on peut changer la couleur, donc on a le vert. Les amis, waouh, j'enlève tout là. Attendez, j'enlève tout là si j'appuie mal. Voilà, bleu. Regardez, en bleu, alors vert, bleu, du coup blanc, rouge. Waouh, c'est un espèce de rouge. Dites-moi en commentaire ce que c'est, on dirait du rouge. Et blanc, voilà les amis. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment super. Regardez ces nouveaux coloris. Donc là, vous allez pouvoir vraiment encore plus personnaliser vos maisons. Et également pour s'amuser. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, je valide cette mise à jour. Ensuite, on passe à la suite. Toujours dans cette boîte qui est ici, les amis, nous avons effectivement de nouveaux accessoires qui sont ici. Alors, on va se mettre au centre commercial, par exemple. Donc, on va se mettre au centre commercial et on va voir où est-ce qu'on a une place. Attendez, on a une place ici. Regardez. Donc là, c'est des assiettes. Donc là, pour mettre le couvert, pour manger, c'est top. Ici, vous avez un plateau. Alors là, pour simuler de faire à manger, par exemple, pour un RP, etc. Et également ici, là, vous avez un kit de pâtisserie. Donc ça, c'est pour faire des gâteaux. Ici, des smoothies. Waouh, mais tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Ici, nous avons Brock Bloss. Alors ok, ça, c'est pour le petit déjeuner. Voilà, on a fait le tour ensemble. Et c'est assez incroyable dans cette boîte, ce qu'il y a. Donc... il y a ceci et ceci qui est nouveau. On va faire le tour. les amis, voilà. Donc, on a fait le tour par rapport à ça. On passe à la suite de cette mise à jour assez incroyable. Encore une fois, Brokevol nous gâte avec des mises à jour toutes les semaines. Donc, la suite, ça va être les slots de mémoire. Alors, apparemment, il y a de nouveaux slots. Regardez, là, ça va jusqu'à 12. 14, 19. Waouh, maintenant, il y a 3 barres. Non, mais là, c'est de l'abus, c'est de l'abus. Attendez, on va regarder, ça va pas plus loin. Par hasard, non, et voilà, là ça revient. Donc regardez, 6, 12, 19. Non mais il y a 19 slots de mémoire maintenant. Donc vous pouvez vraiment avoir une possibilité de sauvegarder énormément de tenues les amis. Que ce soit pour réaliser des RP ou tout simplement s'amuser. Alors c'est parti maintenant, on passe à la suite avec les nouveaux petits avatars ici. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah tout simplement on va aller en bas de la liste. Est-ce que ça c'est nouveau? Je pense que c'est nouveau. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux? Là, voilà. En tout cas, toute cette case-là, je suis sûre à 100% que c'est nouveau. Par contre, ici, il faut que vous me le dites en commentaire, les amis. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux ici? Le ballon, etc. Il y a certainement des petits accessoires qui sont nouveaux. En tout cas, je peux vous dire la grosse nouveauté de cette mise à jour. C'est évidemment les chiens qu'on peut promener en laisse, mais également les chats. Donc ça, c'est un petit chat. Waouh, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. On a un autre chat ici. Ok, c'est limité à un seul animal. Donc, on ne peut pas promener deux animaux. Peut-être une mise à jour, les amis, à venir. Ou on prend en promener, par exemple, 4-5. Peut-être à l'avenir, on ne sait pas. Regardez comment ça me suit, c'est trop drôle. C'est vraiment... moi, j'aime bien. Certainement, il y en a, ils vont mettre des chiens ou des chats. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment les animaux. Regardez, ça, c'est un chat un peu... Waouh, mais c'est trop mignon, j'aime bien. Oh, mais alors, regardez ça, comment c'est mignon. Waouh, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On regarde vraiment tout... Regardez, là, c'est Garfield. Attendez, ça ne m'a pas changé l'animal. Ben non, mais il faut enlever. À chaque fois, il faut bien enlever. Voilà, les amis. Et regardez... Waouh, mais il n'est pas petit. Et il a trop mangé, ce chat. Regardez. Ah non, mais c'est... Vraiment, en fait, il y a des faims et... Ah, il y a aussi des chiens. Des gros chiens. Waouh, mais c'est super. On dirait un berger allemand. Mais c'est trop beau. J'aime beaucoup. Bon, juste, ils ont peut-être une mise à jour à faire parce que ça rentre un peu dans le sol, regardez là. Mais cette mise à jour, elle est incroyable avec les chiens et les chats, c'est une super idée. Ils n'avaient pas réalisé, qu'ils n'avaient pas réalisé depuis. Regardez, on a le bulldog également. Ici. Voilà. Regardez les amis, le bulldog, encore une fois, les pieds rentrent dans le sol. Donc ça, c'est à voir dans une prochaine mise à jour.
Mais voici un truc incroyable. Donc là, je valide, les amis. On passe à la suite de cette mise à jour. Alors ici, voilà. On a fait le tour ici, les amis. On va bien sûr regarder ensemble s'il y a eu des ajouts dans les avatars ici. Et apparemment, c'est à peu près ce qu'il y avait avant. Il y a peut-être 2-3 choses que je ne vois pas, comme ceci, par exemple. Ça me dit rien du tout, ça. What? C'est quoi, ça? C'est un espèce de sac? Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Regardez, on dirait un sac garde à manger. Et puis ça, également. J'ai jamais vu ça. On dirait une mitraillette. Regardez, oh, c'est trop drôle. On dirait une mitraillette qui... Ouais, je la garde, du coup. Donc, regardez, j'ai le chien, j'ai ça. Ok, on passe à la suite de la mise à jour, les amis. Alors, ce qui est nouveau, c'est dans les véhicules, ici. Regardez, ils ont enfin classé correctement, rangé. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment pas rangé là-dedans. Et là, vous avez en haut uniquement les véhicules que vous pouvez directement, c'est-à-dire les trottinettes, etc. Et également, il y a un nouveau véhicule, c'est le Segway ici. Il a changé. Je pensais qu'il en avait rajouté un, mais en fait, non, il a juste changé. Et regardez, c'est la marque Segway, je crois qu'il y a ça. Et en fait, là, vous avez une nuance. Et donc, ça vous soutient encore mieux que l'overboard, en fait. Regardez, les amis. Mais c'est top, cette... Alors, est-ce que on va pouvoir... Déjà, on peut aller à 45 avec. Donc ça, ils n'ont pas changé. On peut mettre de la musique également, les amis. Donc, c'est également top, ce nouveau véhicule. Il est parfait. Donc, mieux que l'overboard. En tout cas, je valide. Regardez, c'est top. C'est vraiment beaucoup plus sécurisant que l'overboard, en plus. Alors, on passe à la suite. On a une nouvelle trottinette, les amis. Regardez cette trottinette-là, elle n'y était pas avant, elle était blanche, la trottinette d'avant. Et on peut également aller à 45 km/h avec. Donc, est-ce qu'on pouvait également aller à 45? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je valide cette trottinette, on passe à la suite. Donc, le truc de la nouvelle mise à jour, c'est vraiment les vélos, etc., qui s'adaptent maintenant directement bien à la personne, les amis. Donc, on va retirer ça et regardez, c'est-à-dire à la taille de l'avatar. Donc, si par exemple, je me mets dans cette taille... Et je réduis ensuite ma taille. Regardez, les amis, on va voir ça ensemble, ce que ça fait, si vraiment ça marche. Donc, j'étais en taille 1. Je me mets à la petite taille. Je prends dans les vélos ici. Alors, je prends par exemple le Segway. Oh, regardez, ça marche. Regardez, le Segway, il s'adapte à ma taille. Alors, maintenant, on va tester un autre véhicule comme le vélo. Waouh, ça fonctionne. Ah, mais ça, c'est top parce que enfin, c'est ce que je reprochais à la mise à jour. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas cette possibilité, les amis, de s'adapter à la taille. Eh bien, maintenant, on peut... Et certainement, les chevaux également, non? Non, peut-être pas les chevaux. Mais en tout cas, les autres véhicules, tous les autres véhicules, c'est top. On va regarder également sur des véhicules comme une moto, si ça fonctionne. Aussi, ça s'adapte à ma taille. Donc, regardons. Alors, je pense pas que ça s'adapte sur une moto, regardez. Ça s'adapte pas du tout sur une moto, mais c'est vraiment sur les vélos, les amis, où là, ça s'adapte, les trottinettes, etc. Ça se met automatiquement suivant ma taille, les amis. Alors, je regarde encore s'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés, les amis, avec vous. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour ensemble de cette super mise à jour. En tout cas, moi, je la valide. J'aime beaucoup la mise à jour. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, activer la cloche de notification de la chaîne. À bientôt, les amis. Bye bye.